Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Anno Online. On se retrouve sur Richemont qui a perdu ses deux cabanes de bûcherons. Donc je me suis occupé de faire un petit peu de stock, notamment grâce à ma guilde, les mythes, qui est donc une sous-guilde des deus, en fait, des deus. Hein. D'ailleurs sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement m'envoyer un message et directement me rejoindre dans cette guilde que je suis en train donc d'essayer de recréer, de reformer. Voilà, vous voyez, il y a encore de la place de libre, tout simplement. Donc, on est ici pour parler de Richemont. Richemont, cette belle île, cette belle et grande île qui va accueillir mon centre de population. Mais d'abord, il faut penser à nourrir tout ce beau monde. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai quelques stocks de bois. J'ai 6000 bois au total, j'ai également donc 10 000 pierres, enfin 12 000 du coup, pierres et 2 000 outils, ce qui serait je pense suffisant, on verra, hein, voilà, en fonction. Dans l'inventaire donc, là, ici, je dois encore avoir 2-3 trucs je pense, voilà, j'ai un petit peu d'outils, bref, un petit peu 200 pierres, un petit peu d'or au cas où, hop, et 250 points de connaissance, ici, voilà. Et donc ben, c'est ici que l'on va en fait tout faire, on va faire notre cœur de population. Donc, dans un premier temps, je vais positionner tous les bateaux de pêche, tous les trucs de pêche que je peux, voilà, hein, tout simplement. Sachant que j'ai déjà utilisé, entre guillemets, les stocks que j'avais hein, pour me vider un petit peu. Donc, vous voyez, du poisson, j'en ai un tout petit peu, du lait, j'en ai un tout petit peu, et de ça, j'en ai très très peu, des vêtements en laine. Bref. Et donc, on va faire ça, tout simplement. Et puis, ben, je vous reprends quand c'est fait, hein, voilà, pour commencer à aménager cet immense territoire. Il faut que je pense à nourrir tout le monde. Et ça commence par la cabane de pêcheurs. Donc, vous voyez, le but du jeu, ça va être de trouver vraiment les zones les meilleures zones, on va dire. Hein. Ici, je suis à 6, mettons. Tac. Hop, là, ici, là, lui, il a 4. Lui, il a 9. Vous voyez, paf. Ici, je pense que c'est bon. Oh là. Non, ici c'est bon. Voyez, on va essayer comme ça d'optimiser l'histoire. 2,8, 2,5. Ah, mais l'autre il a 3,8. Ouais, c'est pas grave. Ah. On se manque du centre de distribution pour l'instant, je les passerai après. Alors ici j'ai 4,2 sur 4. Ah ben c'est parfait. Voilà. Ok. Et vous voyez, comme ça d'abord je commence à replacer ça avant de placer n'importe quel autre bâtiment. Hop, là, ici, il n'était pas 4, non, il n'était pas 4, là. Ah ouais, reviens là, toi. Ah ouais, mais l'autre, il est qu'à 3, donc voilà. Hop, ici, il est à 6, mettons, ok. Ici, il est à 3,5. Tac, tac, tac. Hop, là, ils sont tous les deux à 5 sur 4. Et comme ça, ben, je vais continuer à faire le tour de mon île, et je vais les rattacher en leur faisant donc des centres de distribution. Allez, je vous retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, donc nos cabanes de pêcheurs sont placées. Hein, je vous montre. Il y en a donc, s'il te plaît, merci, 21. Il y a au total 21 cabanes de pêcheurs, ce qui est amplement suffisant pour, je pense, nos besoins. Du moins, je l'espère. Au pire, dans tous les cas, on en rapatriera d'une autre île. Hein, c'est pas le problème. Bien, maintenant, nous allons attaquer le cœur de notre problème, à savoir la mise en place. Reviens là, Léon. Léon. Léon, reviens. Merci. Donc, nous voulons avoir un ensemble donc qui couvre toute cette zone-là. Donc, nous voulons partir, on va dire, d'ici. Hein, on sait que c'est pas mal ici, ou ici. Paf. Reviens, Léon. Merci. Nous voulons aller donc jusqu'ici, à peu près. Ah, la zone du bas va être couverte certainement par autre chose. Non, on n'y va pas en bas, parce qu'en bas, il va y avoir quand même quelques industries, notamment au niveau du lait, qu'on va essayer de produire sur place. Donc, on va aller ici. Ensuite, là-bas, la zone là-bas, elle m'intéresse forcément très fortement. Je me demande si je peux pas le faire en trois marchés. Non, je peux pas le faire en trois marchés. Ensuite, nous voulons aller donc ici, hein, par là. Et là-bas. Plus loin, hop là. Ici. Et là, je pense que nous avons la parfaite zone pour pouvoir bâtir, entre guillemets, notre belle cité. Vous remarquerez qu'au milieu, je laisse un trou. Hein, ici, là. On peut voir qu'ici, je laisse un trou parce qu'en fait, voilà. Ça va être, on va dire, entre guillemets, en quelque sorte, le milieu de mon cercle. Et donc, c'est sur ce trou-là que je vais décider de faire donc
toutes les infrastructures de confort, on va dire. Ah, oh, c'est pas aligné, quel dommage. Alors maintenant, nous allons passer à l'alignement. Ah, on n'est pas un petit pixel près, après tout, hein. Voilà. Histoire d'essayer de faire quelque chose de correct. Hop, ici. Voilà. Parce que forcément, il va falloir y déterminer la place des maisons, tout ça. Donc ça va être un petit peu quand même assez difficile. Hein, vous remarquerez que j'ai mal exploité, mais il y a un petit peu assez difficile. Hein. Voilà. Ensuite, donc, ici, on aligne. Ah, il y a la montagne, bien sûr. Il y a toujours une montagne quelque part. 1, 1, 2, 3. Et là, donc, on va commencer notre tracé. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la zone où c'est qu'il n'y a pas les... Il est là, le trou. Ok. Ce trou-là, il va falloir que je m'en méfie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais faire mon quadrillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il doit plutôt aller ici, là. Tac. Pour l'instant, donc, je me sers de route en terre, bien entendu, hein, afin de faire... on va éviter de gâcher de la pierre d'entrée de jeu, hein. Voilà. Donc on peut voir que là j'ai à peu près un quadrillage qui est plutôt correct. Alors ce trou qui est ici. Je vais tout décaler de 1, hein, je pense. Vers en haut. Ça mangera pas trop de pain. Et puis moi ça me permettra, vous voyez ici là, il va y avoir donc toutes les infrastructures de bonheur. Du coup cette route je vais la décaler plutôt derrière. Ah ouais non je suis chiant quand je m'y mets, mais vous inquiétez pas. C'est normal. Avant de faire ça. Ouais, non, au final, ça va bien, ça, là. Oui, ça va bien, ça, là. On peut voir que je couvre relativement vaste. Maintenant, j'ai un petit problème, c'est que ce trou, il n'est pas vraiment au milieu. Il est plutôt entre ces deux marchés-là, ce trou-là. Si tu me veux, toi. 10 carats de quartz, je l'ai pas pour l'instant. Hein, on va éviter de donner ce que nous n'avons pas. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que je vais faire, donc là, je vais arrêter l'enregistrement là, c'est que je vais essayer de replacer un petit peu mes marchés, essayer de les mettre d'une autre position, dans notre place, pour voir, afin d'essayer de déplacer plus ce trou par là, en fait, parce qu'il m'arrangerait de l'avoir plus par là. Vous voyez, ici, là. Et donc, ben, je vais vous reprendre, une fois que les marchés, que les routes et que tout ça, que tout le quadrillage est réalisé. Allez, à tout de suite, les gens. Et voilà, donc nos marchés sont positionnés. Bon, j'ai dû un petit peu les rapprocher, un petit peu les synchroniser, voyez, pour vraiment pouvoir avoir le plus grand espace ici au final, parce que si je les pousse un petit peu plus, je tombe sur les murs, et du coup il me faut vraiment un truc très symétrique. Donc le quadrillage est fait, comme vous pouvez le voir, hein, il y a 6 par 30 au milieu notamment. Vous voyez qu'ici, donc il y a un petit coin que je ne pourrais clairement pas exploiter. J'ai mis un petit atelier de bûcheron ici, histoire d'eux. Et donc ben, maintenant, eh bien nous allons mettre en place les attractions. On va commencer de la plus grosse à la plus petite, bien entendu, hein. Pour moi, clairement, la plus grosse, vient la Léon, c'est l'église. L'église, vous voyez, ça tombe bien, elle va peut-être rentrer là. Non, elle prend 6 par je ne sais combien, l'église. Ah, c'est une saleté, les églises. Je n'aime pas les églises. Donc l'église, le but du jeu ici, vous voyez, ça va être en sorte de la faire couvrir le plus possible. Sachant qu'il ne va pas y en avoir qu'une, je pense d'être obligé d'en mettre 4, et vous pouvez voir le nombre d'outils que ça prend. Donc je pense que finalement les églises, c'est peut-être que je positionnerai en dernier. À part si avec deux je peux peut-être tout couvrir, bah déjà celle-là, elle est impériale. Mais elle couvre pas assez de population, je trouve. Oh si, elle couvre, si, parce que là je vais peut-être pouvoir mettre un petit marché. Oh si, finalement là, elle est bien là. Mais je sais pas après si elle couvre assez de population en fait. Et moi je la pensais plus par là. Déjà ici, elle couvre un max. Voilà, je pense qu'en fait avec deux ça sera suffisant si j'en mets une là. Et une là pour commencer. Je l'ai mise là, je dois la mettre là. Pour rester totalement symétrique. Voyons voir ça un petit peu, qu'est-ce que ça donne.
Ouais, on peut voir que toutes les zones ne sont pas forcément bien couvertes, notamment là-bas, mais après bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pour le cœur de population qui va se trouver ici, hein, clairement. Alors ensuite, nos églises sont posées, nos prisons pour dettes, on les posera, je pense. Hop, R. Merci. Ultérieurement, parce que j'avais pas vu le coup en outil que ça avait, tout ça, malheur. Bon, la reine de tournoi, pour moi, il est clair qu'elle va au milieu. Vous voyez, pour couvrir un maximum. Quoiqu'en fait, le truc, logiquement, ça aurait été de les mettre sur le côté. Vous voyez, clairement sur le côté. Pour qu'elle couvre, en fait, le centre sans pouvoir, sans le déranger, quoi, en fait. Vous voyez, parce que les nobles, en fait, ils vont être là. Voilà. Là, il y a 30 par 30 de longueur par 6 de largeur. Je sais pas combien ça fait de baraques, mais ça en fait un paquet, à mon avis. Voire même là, en fait, hein. Parce que vous voyez que la reine de tournoi, elle couvre vachement loin, quand même. En fait, si je la mets ici, tac, ça va pas. Et si je les mettais à côté des églises, ça court autant qu'une église, ça. Ah, mais c'est pareil, la zone là-bas, elle serait tellement désaffectée, quoi. Donc, il me faudrait plutôt les mettre ici, en fait. En essayant de faire en sorte que ça couvre un maximum. En fait, c'est ici que ça couvre un maximum. C'est au milieu que ça couvre un maximum, je pense. Pour moi, c'est là que ça couvre un maximum. Bref. Nous avons aussi également un bâtiment ici à positionner qui va rien me coûter, alléluia, qui est le stade de football. Viens ici, Léon, merci. Lui, on va le mettre au milieu. Ça va être la seule exception parce que lui, en fait, il va couvrir. Le but du jeu, c'est de couvrir un maximum de monde avec. Donc lui, clairement, voilà, au milieu. Paf! Vous avez vu le beau stade de foot, connard. Le pouvoir que mon income est désormais négatif. Ce qui va poser quelques petits soucis, mais pas encore. Alors, les puits, eux, par contre, ça va être très sympa à positionner, étant donné qu'ils prennent la place d'une maison, je les positionnerai en même temps que les maisons, hein. Nous avons les charpenteries qui couvrent également un petit peu plus. Elle aussi, ça prend la place d'une maison, ça c'est du 3 par 3, exact. Je les positionnerai, va-t'en toi, en même temps que les maisons. Nous avons quoi ensuite? Nous avons les chapelles, qui elles sont un petit peu plus space à poser, on va dire. Qui prennent du, combien déjà? Du 3 par quelque chose. Donc forcément, les chapelles déjà, elles vont aller à côté des églises, je pense. Oh yeah. Là où déjà, vous voyez, paf, celle-là, elle est bien là. Bon, par contre, en bois et en outil, je me fais pas de soucis, donc voilà. Hein. Là, maintenant, là, ici, en fait, je suis sorti, il me semble, de la zone. Ah non, je peux peut-être encore en placer une route, là. Je peux peut-être encore en placer une. Hein. On va regarder ça de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ça rentre. Oh yeah. Voilà. Et en fait, comme ça, d'abord, moi, je placerai d'abord les bâtiments de bonheur afin de me voir quel cercle ils prennent. Là où après, j'en ai rien à faire, je suis totalement en dehors du centre du cercle, donc, the circle, the ring. Ah, donc voilà. Tac. Toi. Tac. Ouais, par contre, je vais être obligé de la mettre au milieu, celle-là. Alors que sinon, ça couvre pas bien. Mais le but du jeu, en fait, c'est vraiment de les placer aux extrémités. Et ici, mettons, là, je ne suis plus couvert par les marchés. Bon, après, bien entendu, je déplacerai, je ferai ma sauce, hein. Voilà, hein. Allez, il faut qu'elle aille au milieu par là. Pour couvrir un maximum. Là-haut. Pour couvrir un max. Tac, ici. Et en fait, le fait de d'abord placer ces bâtiments-là fait en sorte que vous pouvez essayer de minimiser les trous, tout simplement. Hein. Oh, il y a des trous partout ici. Et après, en fait, en déplaçant les bâtiments entre eux, hein, clairement, on peut essayer de faire en sorte de couvrir un maximum de zones. Quoi. Là, vous voyez, j'ai un trou. Hop, je me mets au milieu du bout du trou et au maximum, je pousse. Bon, ce trou-là, je vais être obligé d'en mettre une, hein, forcément, hein, parce que voilà. Parce que l'autre, de toute façon, tiens, pof. Voilà, parce que YOLO, pas trop, quand même. Hop. Après, bon, c'est pas pour une case qui va pas être couverte que ça va manquer, hein. Non, non. Oula, qu'est-ce qui se passe avec le bois? Déjà, j'ai utilisé 2000 bois, moi. Ah ouais.
Ah bah il ne reste plus que 2000 bois. Hop. Et mon income plonge, littéralement. Ensuite nous avons, vient la Léon, tout ce qui est barbier, etc. Les barbiers, je crois que c'est du 3x3 également. Ah, c'est du 4x3, les saletés. Donc ça aussi, il faut les positionner avant. Mais là, afin de rétablir un petit peu l'income, on va commencer par mettre en place les premières maisons. Quoique non, c'est pas bon ça. Parce qu'après, il y a ce genre de trucs à positionner aussi qui font du 4x3. Il y a les casernes de pompiers. Bon, ça c'est positionné. Les prisons pour dettes, on a dit qu'on les fera à la fin parce que ça prend, ouais, ça prend du 5 par 2. Ah, du 4 par 4. Enfin, du 6 par 4, ça prend. Je pense. Bref, c'est grand, c'est immense. La prison pour dettes, c'est immense. Ouais. Et en plus, c'est du 4. Ça m'arrange pas qu'il y ait du 4 parce que là, j'avais fait en sorte que ce soit tout correct. Mais bon. On peut en positionner une. Je pense qu'on va la mettre là. Ou là où, je sais pas encore. Non, là, plutôt là. Là, c'est là que ça couvrira plus de population à court terme. Parce que là, le but du jeu, donc, ça va être de rétablir mon income. L'income, c'est l'argent que je gagne, là aussi, vous voulez, hein. Pour ceux qui comprennent pas. Après ça, donc, je vais aller, me dégager quelques outils. Faire rentrer, des outils. Là, logiquement, j'en ai 70 par heure qui arrive. Enfin, oui, 70 par heure qui arrive. Je bois un petit coup. Donc il me reste juste en fait les barbiers. Tout ça je peux le positionner maintenant en fait. Alors ici pareil, hein, même sentence en fait. Étant donné que c'est à peu près la même zone de couverture que les églises, je pense qu'en compagnie des églises ça sera pas mal. Toute façon ça change rien, il vaut mieux que je le positionne comme ça. Hop. Là, je vais être obligé de la mettre en milieu. Ouais, et plus par là, et plus par là, et pas trop là. Après, je déplacerai bien entendu en fonction, hein, voilà, on n'est pas... Tac. Et le but du jeu, comme ça, donc, c'est de couvrir un maximum la zone. Toi, tu vas aller bien au fond, là-bas. Ça, tu nous embêtera pas. Alors ici c'est pas couvert derrière l'église bien sûr comme je m'y attendais. Hop, c'est ici que ça s'arrête. Ici il m'en faut un aussi du coup. Et là-haut. Putain, ici il va y avoir tellement peu d'habitation que je sais même pas si c'est rentable de le mettre là. Là. On va le mettre à côté de l'église là. Ouais. Et là-haut. Paf. Voilà. Les barbiers sont mis en place. Ensuite, il nous reste quoi? Les tavernes, mon cher ami, les tavernes. Ça prend du combien ça? Encore du 4 par. Ah, ils sont chiants à faire des bâtiments en 4 par 3. Non, sérieux, ces bâtiments, ils embêtent tout le monde. Alors, on va les placer. On va en placer un ici. Du coup, là-haut. Bah, tiens, là-haut, du coup, ça va être full à... Vous voyez là ça va être un nid où c'est qu'il va y avoir que ça quoi. Au final. Bon c'est pas plus mal, je m'en plains pas. Toi tu vas être un petit peu plus au milieu de la zone de population. Voilà. Toi en bas pareil, en face de l'église, je pense que ça ira très bien. Hein? Ouais le taverne c'est en face des églises chez moi. Une fois. Toi. Tac. Tac. Ici là faut quand même que ça couvre. Et oui, une fois tous ces bâtiments positionnés, vous pouvez voir que la zone de population n'est pas si dense que ça. Hein. Toi, ça serait bien que tu ailles par là. Et une dernière pour la route là-haut, une fois. Voilà. Nos tavernes sont positionnées. Il nous reste quoi à positionner? Il nous reste les casernes de pompiers. Élément important pour éviter que tout parte à yolo. Alors là, le but du jeu va être différent, c'est d'en positionner un petit peu moins, c'est parce que, quoique, il y aura une population tellement riche ici que, voilà. Du coup, je peux la positionner pour commencer ici. Ensuite, ici. Ensuite, par ici. Ouais. Hop là, ici, ça me semble bien.
Ensuite, une ici, comme ça couvre bien, parce que si je me mets là, ça couvre plus. La couverture est bonne. Et une dernière là-haut, histoire de. Et voilà. Ben maintenant, vous voyez, je n'ai plus qu'à positionner l'ensemble de mes habitations. Hein, donc on va, en n'oubliant pas bien entendu les puits et les charpenteries, mais ça je les positionnerai après, une fois que j'aurai mis les habitants, etc. On peut voir que d'ores et déjà il y a 26 habitants par truc, ce qui va être swag. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rien calculé, c'est pas fait exprès du tout le truc qui tombe juste là, mais... Oh, trop fort. Alors, à la base, je devais garder un emplacement au milieu pour un amphithéâtre. Je vous le dis parce que l'amphithéâtre, château, etc. va être positionné dedans. Tout comme ça. Voilà. Ah, ben cet espace, en fait, je libérerai certainement proche du stade de foot pour essayer de faire en sorte de caser un maximum de choses à cet endroit-là. Qui est, on va dire, mon centre, le centre névralgique de la ville, hein, tout simplement, hein. Voilà, hein. Ben, il me reste encore du bois, qu'est-ce que tu me racontes, du coup, toi? Ah oui, il me reste encore 280, ça va. Donc, il faut savoir que l'amphithéâtre, juste pour vous le montrer, hein, c'est ça. Ça prend une blinde de place! Vous voyez, je peux limite commencer d'ores et déjà le positionner ici. Hein, voilà. En rasant les routes, etc. C'est dommage, mais ça va être comme ça. Vas-y, d'ailleurs, on va le positionner, parce que ce bâtiment, vous voyez, est tellement grand, qu'au final, il le faudrait ici. Pour aller bien, il le faudrait ici, même. Ouais, par là. Donc, on va commencer, d'ailleurs, à le positionner, comme ça, ça sera fait. Parce qu'il est tellement grand, ce truc. Ouais, récompense. Oui, il est content, j'ai placé un amphithéâtre. Toutoum, toutoum. Ah, mon dieu de mon dieu de mon dieu de mon dieu. Mon dieu de mon dieu de mon dieu de mon dieu. Donc on va juste déplacer un petit peu du coup les habitations. Alors je dis que je le mettais où celui-là déjà? Là? Le top serait étant qu'il soit là. Ah, on est d'accord, le top c'est qu'il soit là. Donc en bref, je laisse la place d'une maison en bas et je pose l'amphithéâtre dessus. Donc en bref, l'église YOLO. La chapelle, donc c'est YOLO. Ouais, et logiquement, il doit rentrer à côté du stade de foot. Hein. Si je me trompe pas. Donc on va voir ça de suite. Ouais, maintenant c'est la partie la plus longue, la partie construction, tout ça, ça va durer des plombes. Alors, est-ce que là il rentre, à votre avis? Bon, j'espère, hein. Non, il rentre pas. Ah, il me manque deux places en fait, voyez, deux places. Donc bah du coup ça va plus tomber juste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Vous deux, vous venez ici. Toi tu vas te décaler deux du coup. Bref. L'autre il reste en place, hein, il n'y a pas de raison de bouger. Et là logiquement il doit rentrer, on est d'accord, hein. Oui, il rentre. Alors, voyons voir comment ça se joue, ça. Plus de ce côté ou plus de ce côté? Au mieux, là, ça me semble bien, en fait. Avec des haies autour, vous allez... Oh, on va aller faire un truc sympa, ce truc-là, là. Voilà, du coup, toi, Barbier, ça serait bien que tu ailles là. Merci. Ouais, vous allez voir, on va aller faire un truc sympa, cet amphithéâtre, là. Et la route qui va jusqu'au bout, là, comme ça. Hop, hop, hop. Le stade de foot, du coup, je vais pouvoir le coller, je pense, parce que sinon, il va être un petit peu décentré. Ouais, il est désaxé.
Ah, c'est compliqué, hein? Ouais, non, mais je veux pas le coller, en fait. Je vais le mettre là. Voilà. Ici. C'est complexe, hein? Vous voyez, la vie de bâtisseur, tout ça. Bon, nous avons nos premiers bâtiments. C'est très bien, nos premières maisons. Un truc que je vais désactiver, d'ailleurs. Voilà. Donc, tout ça, c'est top. Donc forcément elle peut déjà évoluer parce que j'ai tout ce qu'il faut pour là-haut. Alors ensuite, on va continuer à placer nos maisons, nos maisonnées. Ah, parce que vous voyez mon income là-haut, il est négatif, c'est pas bon ça. Hein. Ah oui, j'ai de quoi en faire des maisons, moi je vous le dis. Hein. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de bois. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et puis au pire, je peux en redemander à ma guilde, donc c'est top ça. Alors, on va commencer par positionner maintenant quelques puits. On peut voir qu'il m'en faudra un ici, de puits, par là donc. Bah tiens, par là directement. J'aurais pu les positionner avant aussi, vu que ça prend la taille d'une maison. En les positionnant aux angles, comme ça, vous voyez, je risque rien. Hein. De construction bloquée, pourquoi? Ouais, bon. Puis de toute façon, en toute franchise, c'est pas le prix d'un puits qui va me changer la donne. Donc, ça, à la limite, je peux y aller hein, presque. Ah, ouais, je peux y aller. Hein. Après, au pire, je les décalerai, donc c'est pas un problème. Ouais, au final, il vaut peut-être mieux poser les puits avant. Poser les puits et les charpenteries avant. Comme ça, vous avez l'endroit qui est prêt à construire. Et au moins, vous vous compliquez pas la vie. Là, je suis en train de me compliquer la vie, en fait, je m'en rends compte. De façon, après, vous pouvez les décaler, hein, c'est pas un puits qui va changer la donne. Et tac. Et là, toute ma zone d'habitation, elle est couverte. On va faire pareil avec les charpenteries, du coup. Ou presque, toutes. M'en manquera un. Il m'en manquera un, je pense, par là. Et voilà, tout est couvert. Vous avez vu, c'est beau, hein? Et voilà. Bon, ensuite, les charpenteries, on va faire la même, hein? On va les placer, on va les positionner directement, hein? Petite aparté. Vous ne voyez pas mon argent descendre dans le jeu, c'est tout à fait normal. Je vous montre. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question directement in-game, donc je la réponds directement. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc dès que j'aurai eu mon premier île, j'aurais dû y aller de suite en fait, mais c'est pas grave. Donc ici, vous voyez ici donc j'ai des trades qui se sont terminés, mais dont je n'ai pas encore pu encaisser tout l'argent. De ce fait, notamment j'ai vendu pas mal de trucs, et donc j'ai de l'argent si vous voulez, j'ai de l'argent en stock dans mon entrepôt de commerce. Tout simplement ici, je sais pas combien il y a là-dedans. Il y a 15 millions ici, ici il y a 35 millions. Et ici, il y a 10 millions, vous voyez. J'avais prévu ça en fait pour pouvoir tourner l'épisode tranquillement au niveau de l'argent et ainsi ne pas trop m'embêter. Donc ça a plutôt bien fonctionné, j'en suis plutôt content. Hein, voilà, non mais c'était pour vous rassurer et vous dire exactement ce qu'il en est. Voilà. Hein, d'ailleurs, cette île aussi va changer profondément puisque je ne vais garder ici que les 1000 nobles. Hein, je vous le dis de suite. Hein. Ah, comme ça vous aurez pas la surprise si un jour vous visitez mon île et qu'il n'y a plus tout ça, je vous montrerai pas certainement en vidéo, hein, voilà. Ah, c'est une fois en fait que Richemont se sera davantage développé, hein, tout simplement. Et également, autre nouvelle, j'ai débloqué les grands navires marchands sur lesquels j'ai bien entendu mis les soutes supplémentaires que j'ai eu à l'event football, pour avoir un plus gros bateau, tout simplement. Allez, je vous remercie, et voilà la suite de votre épisode. Site de construction bloqué. Je vais aller trop vite, peut-être. Pour lui. Le but du jeu étant bien entendu que ça couvre un maximum de population. Il en faut moins que les puits de ça.
De toute façon, il me faudra en mettre une au milieu. Donc on va la mettre de suite. On va la mettre à côté du puits, histoire de... Voilà, histoire que ça couvre bien comme il faut tout ça. Il y a quelques petits trous, mais bon, après, c'est pas... Hein, on n'est pas non plus... Hein, voilà, hein. C'est pas non plus très grave s'il y a quelques petits trous par-ci par-là. Hein. Enfin, moi, je juge pas ça très grave, quoi. Là-haut, c'est toute la zone qui est couverte. Et là, on va le mettre comme ça, je pense. Ouais, ça aura plus d'habitants ici que là-bas. Oh, il y a un trou, là. Ah oh, bah tiens, celui-là, il est rigolo, tiens. Donc là, on va essayer de déplacer un petit peu les charpenteries pour réduire ce trou-là, qui ne devrait pas exister. Et qui, là, n'existe plus. Ah, là. Allez, on va pouvoir continuer à meubler toute la populace, là. Ah bah tiens, on va le faire en terre. De toute façon, regardez ça, je n'ai quasiment plus de bois. Ce qui est pas plus mal. Donc là, on a placé tous les bâtiments de confort, hein, on est d'accord. Ouais, bon, les édifices. Hein. Alors, il nous manque quoi ici? La prison pour dette et l'amphithéâtre. Là, nous avons un édifice qui est sa table de football, donc forcément, c'est normal. Les prisons pour dette, je les placerai ultérieurement hors caméra, je pense. Là pour aujourd'hui, je vais finir de mettre en place toutes ces maisons. Tandis que j'ai un nombre correct ici, je vais me partir de là. Histoire de rétablir un tout petit peu mon income. Enfin, être pas trop négatif, quoi, parce que là, négatif au sens, ça fait un tout petit peu peur quand même. Hein, je sais pas vous, mais moi j'ai peur quand je vois ça. Et donc, bah, on va meubler, hein, tout simplement. Hein. Ah, il y a un décalage à cause de l'église, c'est bon à savoir. Ah, il me reste combien? Il me reste encore un paquet de bois, ben ça va. Et je peux vous dire que l'épisode touche à sa fin. Vous voyez, sur ces belles, sur sa belle séance de construction. Toi, tu vas te décaler. Faute, merci. Ah, vous savez qu'on a mis en place donc toute l'infrastructure, hein, tout simplement. Hein. Oh, c'est tombé juste, ça va. Ah, vous pouvez voir que voilà, on a quand même mis en place une sacrée infrastructure. Notre ville va donc commencer à bien se développer, là. Après, je vais acheter quelques tonnes de bois. Bon, d'accord, je les achète à un membre de ma guilde par coût de 5000. Hein, je vous le dis franchement. Hop, toi, le puits, tu vas te décaler d'un coup vers la droite. Ah, ou pas? Je viens de voir un truc, là. D'accord, en bref, soit tu couvres une maison là-haut, soit tu couvres l'autre. Ah, bah, c'est pas grave. Je préfère que tu couvres l'autre. Il y a une maison, là. Il y a une baraque, une seule, hein, qui n'est pas couverte. Oh! Le puits du malheur. Ouais, c'est peut-être en décalant celui-là. Non. Ah ouais, mais l'autre, il est couvert par un... Ah. Ah, mais le puits du malheur, quoi, sans déconner. Bon, attendez. Ça va être clair. Là, ils m'embêteront plus. Ah, toi, par contre, le puits, tu te l'as un petit peu de l'amphi, s'il te plaît. Merci. Ah! Ouais, parce qu'à côté d'un amphithéâtre, c'est difficile de choper les bâtiments. Voilà, merci. Parce que, bah tiens, pendant qu'on est là, on va peut-être faire la décoration de l'amphithéâtre directement. On va faire un truc sympa, je pense. Pour l'instant, il va y avoir une... Bon, bien entendu, il va y avoir une deuxième arène de tournoi en bas aussi, je pense. Hein, histoire d'avoir les multi-compétences. Ah ouais, ça mange du bois quand même.
suis même pas sûr de pouvoir retrouver un income positif là aujourd'hui. Donc, en fait, je vais continuer à développer la ville Orly, hein, tout simplement. Hein. C'est bien, vous allez avoir un épisode long. Hein. Ça vous fait plaisir, j'espère. Hein? L'église, tu décales de 1, hop, comme ça. Voilà. Hop, 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 comme ça, ça continue à se meubler, ça continue à se positionner. Bon là, après, vous voyez, ça pose un poste que 19, alors que si j'en pose ici, ça me pose 30, mettons. Ici, ça me sert pas à trop grand-chose d'en positionner, parce que vous voyez, c'est une zone qui est un petit peu barbare. Hein. À cause du marché, bien entendu, qui n'est pas... Vous auriez pu faire un marché qui fasse, qui fasse au moins un multiple de la taille des habitations, quoi. Sans déconner, quoi. Les mecs. Hop hop hop, il me reste plus que 100 unités de bois. Vous voyez comment on a bien peuplé quand même. Hein, on est à combien? On est à quasiment à 5000 habitants là. Voilà, 44 bois. On va le positionner le reste. Hein. Et voilà, nous n'avons plus de matériaux de construction. Nous avons épuisé donc 6000 bois et je ne sais pas combien de pierres. Au niveau de la pierre, on en a épuisé... Oh, on en a épuisé 4000. On a épuisé 4000 pierres et plus de 6000 bois. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais continuer donc hors caméra, bien entendu, à meubler et à continuer de faire agrandir. Bon, qu'est-ce qu'ils me veulent? Une entrée de l'empereur, une machinerie de Seine, une chambre forte souterraine. Étape 1, fondation. D'accord. Et ensuite, avancer jusqu'à étape... je sais pas quoi. Parce qu'on peut voir que le l'amphithéâtre... Donc combien est-ce qu'on a ? 8000 pierres. 7000 juste au corps en cuir. 2020, rien que ça. 3000 viandes. 6000 outils. 4000 bières. 8000 pains. 3000 bois. Non, mais rien que ça. Moi, je dis rien que ça. Hein? Je sais pas vous, les gens, mais là, franchement, on n'est vraiment pas prêt de faire ce bâtiment. On est vraiment, vraiment, vraiment pas prêt de faire ce bâtiment, parce que, tout simplement, le vin, je l'ai pas pour l'instant. La viande, je l'ai pas encore. Hein. Après, le reste, ça posera pas trop de problèmes, mais encore que juste au corps en cuir, c'est difficile à crafter. Hein? Donc l'amphithéâtre, il va juste rester là pour l'instant, il va servir à mes amis pour qu'ils puissent mettre en place, s'ils le souhaitent, des constructeurs. Mais le reste, voilà. Hein. D'ailleurs, tiens, on va en profiter, on va essayer d'embellir ça un petit peu. Vous voyez que j'ai des haies là, j'ai des haies permanentes, des haies dans tous les sens. J'ai les haies de coin. Oh, ça tourne ça? Ah ouais, ça tourne, c'est trop bien. Vous voyez? Ouais, j'en avais que deux de toute façon, alors bon. En fait, j'espère que j'en ai assez des haies. Ah non, j'en ai 33 des haies de coin là aussi. Celles-là, elles sont blanches. Des blanches, j'en ai que deux. Après, j'ai beaucoup de vertes. Il y a une petite haie comme ça, moi je trouve ça super sympa, je trouve ça fun. Vous voyez, un truc à faire, un truc comme ça, quoi, mettre en place vraiment une belle décoration pour cet amphithéâtre, qui va quand même être un des points d'orgue, hein, on peut dire, de la ville. Hein. Hop, une petite route ici. Ah, il y a deux cases là-bas, j'avais pas vu. Oh. D'ailleurs, est-ce que ce truc il tourne? Il fait combien ce truc? Non, non, c'est un carré, il tourne pas. Ce carré ne tourne pas. Donc, bah écoutez, voilà qui va achever cet épisode. Hein. Je pense que j'étais assez long là, j'ai assez traîné en longueur.
Je voulais faire une petite dernière maison, mais c'est pas grave, on fera ça ultérieurement. Donc, ben, merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur la construction, on va dire, de ma nouvelle ville, Richemont, qui a directement pris 5000 habitants dans la figure. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez, en dessous de la vidéo, hein, purement et simplement. Voilà, ça c'est pour moi directement, hein. N'hésitez pas à donner vos impressions, n'hésitez pas à me dire si je fais de la merde, par exemple, ben ça me fera quand même plaisir, voilà, enfin pas trop, mais voilà, un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Donc ben je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, qui je vous le dis franchement, arrivera lorsque j'aurai trouvé une île de raisin, et pas encore une grande île d'herbe comme ça, là, qui ne me sert absolument à rien. Hein, il y a 6 ressources dessus, parce que le charbon, je le compte pas. Donc même s'il y a 4 sources, voilà, quoi. Parce que celle-là, finalement, je pense pas que je vais l'exploiter, parce que c'est vrai qu'elle n'a que 6 ressources également. Alors que certaines petites îles en ont plus, quoi. Hein, tout simplement, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir les îles de Zut que je ramasse. C'est assez effarant. Bref, allez, ciao ciao les gens.